La fête du travail a été célébrée en Côte d'Ivoire. La centrale syndicale Dignité n'en est pas restée en marge. Lundi 1er mai, son secrétaire général a saisi l'occasion pour interpeller le gouvernement sur la cherté de la vie. Le pauvre travailleur ne sait comment se nourrir. Le marché devenant de plus en plus cher. Tout a augmenté. Piment, huile, lait, riz, sucre, viande, farine, poisson, banane, ignam, taro. Pour ne citer que cela. On assiste chaque jour à l'augmentation du prix du carburant. Une politique vigoureuse doit être menée pour que le marché soit abordable pour tous. Monsieur le ministre, on ne peut plus se loger à Abidjan. Revendication d'accord, mais cela doit se faire dans le dialogue social. C'est l'invitation à laquelle appelle Maître Adama Camara, ministre en charge de l'emploi et de la protection sociale. Je reste convaincu que seul le dialogue social nous permettra d'enregistrer et d'avoir une société stable et développée pour patronat, travailleurs et l'État. À terme, le ministre Adama Camara a promis transmettre avec exactitude toutes les doléances faites par la centrale syndicale à Patrick Hachi, premier ministre de la République de Côte d'Ivoire.